étrange bonsoir, content de vous retrouver aussi nombreux pour donc la séance de Sweet Virginia. Quoi de plus plaisant effectivement en fin de week-end de voir mon petit polar, thriller, Dantan. J'ai dit Dantan, comme on dit, parce que vous verrez, c'est pas une histoire de référence, mais on a l'impression de replonger un petit peu dans ces films, les premiers films des frères Cohen, les premiers films de John Sayles, des films comme Un fou mouvement. Donc de ces polars ruraux dans cette petite ville. D'ailleurs, peut-être qu'il vous le dira, on va en discuter, c'est que en voyant le film, la ville m'évoquait un petit peu quelque chose. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Je viens de demander où est-ce que ça a été tourné. Et en fait, c'était pas un hommage, il a dit, c'est vraiment un coup de cœur pour la ville. C'est le même lieu de tournage du premier, donc Rambo. Donc comme quoi, quand on a une bonne mémoire, c'est pas mal. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'est un jeune réalisateur, mais je pense extrêmement doué. Il a su s'entourer d'un beau casting, notamment une actrice. Il faudrait aussi faire une pétition auprès de la direction pour qu'on puisse l'inviter, à savoir Imogen Poots, qu'on voit dans des rôles très différents, que ce soit dans Mobile Homes, dans Green Room, dans Broadway Therapy, et encore ici dans une prestation différente et formidable. Quoi qu'il en soit, le réalisateur est là et accompagné et bien accompagné aussi. Donc je vous demande d'accueillir Jamie Dagg et l'acteur donc Christopher Abbott. Bienvenue à la prochaine. Merci. Just before we get started, I just need to thank a few people here. First off, this is my first time in Paris. I couldn't be happier to screen this film. So I want to thank the festival, Elodie and the festival agency, our international sales agents, XYZ, the writers, the China Brothers, our producers, Brian Kavanaugh-Jones, Ryan Cahill, and Christopher Ferguson, the entire cast, including Chris Abbott. And most importantly, I just want to thank you all for coming out. Again, I'm really excited to be able to show this film to you. You want to catch up? Oh yeah, I just said them off. Yeah. Oh, you probably won't be able to read my chicken sandwich. Okay. Alors, je ne vais pas vous refaire la liste de remerciements, mais juste avant de commencer, voilà, j'ai des remerciements à attribuer. Déjà, c'est ma première fois à Paris pour présenter ce film. Merci au festival de me recevoir. Merci à notre agence Festival Fest Agency avec Elodie, à nos ventes internationales et aux personnes qui ont évidemment collaboré au film, dont l'acteur qui est assis et le cast en entier. Merci à vous d'être venus si nombreux. So, film, let's be really quick here, but filmmaking is often characterizes as being this harrowing sort of experience. It's fraught with adversity and chaos. My first film, which was shot in a communist dictatorship with no film infrastructure, really was that. This film, it was easy to make. And I think a lot of it had to do with the experience that you gain from making your first film. But I think most of it can be attributed to this sort of perfect chemistry that existed between myself and the cast and the crew. It's a rare experience, and so I'm really proud of it, the work we did in this, and I'm excited for you to see it tonight. Alors parfois on vous dit que réaliser des films c'est un peu comme prendre de la drogue, ça vous injecte plein de choses, il vous arrive plein de trucs quand vous le faites et que ça vous donne des émotions incroyables. Je pense que ça a été vraiment le cas de mon premier film, notamment parce qu'en fait il n'y avait aucune infrastructure qui le rendait possible. Je pense que du coup forcément faire ce film ça a été beaucoup plus facile. C'est pas seulement grâce à l'expérience qu'on acquiert, mais c'est aussi je pense grâce à l'alchimie parfaite entre l'équipe avec laquelle j'ai pu travailler et moi-même. Et donc du coup je suis très heureux du travail qu'on a réalisé ensemble, je suis très excitée à l'idée que vous alliez le découvrir. Bon film, merci. Merci beaucoup.